Sécurité intérieure, sûreté de l'État. Le Bénin désormais face à de grands défis. De la cybercriminalité à la lutte contre les individus armés non identifiés, la sécurité des frontières, la protection civile et le grand banditisme, le gouvernement du Bénin a mis en place différentes réformes pour répondre aux attentes des citoyens. Dans son deuxième programme d'action du gouvernement, PAG2, il est prévu des réformes pour améliorer la protection civile. Il est mis en place un fonds national de réponse aux catastrophes, FONCAT. Je dois faire remarquer que la protection civile a pris son essor à l'avènement du PAG1. Déjà en 2016, pour une première fois au Bénin, depuis la création de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes par le décret 2011-834 du 30 décembre 2011, c'est en 2016 que donc le gouvernement a eu le mérite de mettre en place pour une première fois au Bénin le fonds d'urgence de gestion des risques de catastrophes. La mise en place de ce fonds d'urgence a permis aux différents acteurs de réduction des risques de catastrophes de gérer au mieux les crises et les catastrophes. Et ce fonds a été continuellement mis en place depuis 2016 jusqu'en 2020. En 2020, il y a une autre réforme, une réforme majeure, celle du Fonds national de réponse aux catastrophes. Par le passé, chaque année, le gouvernement prévoit des ressources dans le budget du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique pour des actions humanitaires en cas de survenue de catastrophe. Mais pour utiliser ces ressources, il y a toute une procédure à respecter. Ce qui fait que parfois, le temps de survenue du sinistre et le temps de l'intervention, il y a parfois un grand écart. Et pour éviter cela, le gouvernement a créé un fonds avec l'appui des partenaires et financiers, notamment la Banque mondiale. Le gouvernement a créé un fonds qu'on appelle le FONCAT, qui est le Fonds national de réponse aux catastrophes. Et ce Fonds national de réponse aux catastrophes vise premièrement à décentraliser la gestion des risques de catastrophes. Auparavant, les catastrophes étaient gérées au niveau central. Mais avec ce fonds, on a rapproché la protection civile des populations, un, pour leur permettre elles-mêmes de participer directement à la gestion de la réduction des risques de catastrophes, deux, pour permettre de réduire les délais d'intervention, parce que avec la mise en place de ce fonds, le maire, qui est l'autorité communale, a les moyens qu'il lui faut pour pouvoir répondre promptement aux catastrophes, sans forcément attendre de l'aide de la capitale ou donc de Cotonou. Pour rendre plus rapide et plus efficace l'intervention des sapeurs-pompiers, le gouvernement du Bénin a plusieurs projets. La création d'une agence et d'une école nationale des sapeurs-pompiers à Savay, d'un coût estimatif de 5 milliards de francs CFA. La construction de plusieurs centres de secours pour mieux couvrir le territoire national. Mais en attendant, on note la concrétisation d'une méthode d'intervention plus rassurante. Le PAG nous a permis de mettre en place un nouveau type de moyens d'intervention, à savoir les motos. Les motos que nous avons aujourd'hui nous permettent d'aller plus vite sur les lieux d'intervention. Et ces motos-là sont équipées de DSA, des défibrillateurs semi-automatiques, qui sont des moyens qui permettent de réanimer rapidement les victimes dès qu'on se présente sur les lieux d'intervention. Nous avons fait le choix de cette stratégie d'intervenir avec les motos parce qu'elles sont plus rapides, elles nous permettent de nous faufiler lorsqu'il y a des embouteillages et d'aller très vite au plus près des victimes afin de pouvoir leur apporter du secours en attendant l'arrivée de l'ambulance. L'objectif aussi, c'est de réduire le délai d'intervention moyen des sapeurs-pompiers qui va passer désormais à 45 minutes pour les endroits les plus éloignés. En dehors de cela, le groupement national de sapeurs-pompiers pourra bénéficier également de nouveaux moyens roulants qui vont permettre de renforcer les équipements roulants des centres de secours existants sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, pour toute l'étendue du territoire national, nous avons 24 centres de secours
alors que nous avons 77 communes, c'est insuffisant. Par rapport aux moyens de mobilité aussi, nous avons environ 25 ambulances, 24 véhicules citernes pour incendie et 10 pick-up pour le fonctionnement du groupement national des sapeurs-pompiers. C'est de toute évidence insuffisant. Et le gouvernement l'a compris et a engagé une vaste réforme. Cette réforme vise à améliorer la qualité des prestations. Nous voulons désormais avoir de véritables professionnels. De nouveaux agents seront recrutés. Ceux qui sont là, qui veulent continuer par travailler, seront retenus. Ceux qui veulent retourner dans l'armée, vont retourner dans l'armée pour poursuivre leur carrière. Mais nous mettrons un accent particulier sur la formation et sur les équipements. Nous avons déjà commandé un lot d'équipements qui sera là d'ici quelques mois. Et nous nous préparons encore à commander un second lot d'équipement pour qu'à l'avènement de l'agence, elle puisse être directement opérationnelle. Autre réforme majeure, la refonte de l'ex-gendarmerie et de l'ex-police nationale en une unité. La police républicaine est devenue réalité. On attend d'elle une police plus proche des populations. Le gouvernement a fait l'option de la police républicaine pour deux raisons fondamentales. La première raison, c'est la vocation. Et la seconde raison, c'est l'image. La vocation, parce que la police républicaine a vocation à être une police communautaire. Une police qui vit au sein de la communauté, qui est au service de la communauté. Et par rapport à l'image, c'est une police qui doit éviter d'être considéré comme une police de répression et de rançonnement. C'est pour atteindre ces deux objectifs-là que le gouvernement a choisi de passer de la police, de l'ex-police, à la police républicaine. Vous devez le savoir, depuis que nous avons commencé l'opérationnalisation de la police républicaine, nous avons érigé en rang de priorité le renforcement des liens entre la police et les populations. Ceci passe par un changement de philosophie. Et ce changement de philosophie, je sais que tout le monde entend parler de la police communautaire. Et c'est par ce biais-là que nous avons inversé l'ancienne tendance qui nous obligeait à rester sur place et que les populations viennent vers nous. Mais aujourd'hui, nous sommes au cœur, au centre de toutes les activités de la population que nous sollicitons des fois pour contribuer à la grande réflexion qui doit nous amener à assurer la paix et la sécurité dans la cité. Donc, nos liens aujourd'hui se sont renforcés. Et nous avons l'intention de faire encore un peu plus pour que ces liens se solidifient de jour en jour. Parce que sans les populations, la police n'est rien. La police est au service des populations. Et nous avons l'intention de le faire et de mériter la confiance que la population placera en nous. Dans tous les cas, si nous restons de notre côté, la population n'aura jamais confiance en nous. Il faut qu'on s'imbrique avec la population pour que ces liens soient véritablement solidifiés. Désormais, au lieu de voir le citoyen comme celui qui a seulement droit à la sécurité et l'État a le devoir d'apporter la sécurité, nous voyons désormais le citoyen comme un acteur principal qui contribue désormais à la coproduction de cette sécurité. Avant, quand les civils voient les tenues corps et treillis, ils fuient. Mais aujourd'hui, ils sont la main dans la main pour travailler qu'il y aura la paix dans les ménages. Yan di hesi ni e di mi sa hesi di ya e de so na se pa mi man da hoja ho na mi pa mi bezen commissaire mi no zen tiet mo le commissaire gon man da ho he commissaire e ma shi bro yo ti an la bi tak tak da yo e yo e yo e no no me le a ayo di yo na zi a mi o lo ni mi o ton a mi me gbe di yo mi ka mo mi ke de so ro ni mi owo partage bon fi bi we donc e yin susu nu mi ta bo yin da gbe nu mi bo ze mi so. Donc, à Johnny Moonin, les débutants, mais cela, mon locatio, des blocs, des débutants, et n'a ce sous-temps. Nous avons une mission fondamentale, celle qui consiste à assurer la sécurité des personnes et des biens, celle qui consiste à créer un environnement
favorable au développement économique. Lorsque je me mets au sein des populations et je les entends parler, je crois que la sécurité aujourd'hui est plus ou moins rassurante. Nous n'avons pas la prétention de dire qu'on a déjà tout fait, puisque nous nous employons à travailler davantage pour mieux assurer cette sécurité aux populations. Mais je sais quand même que quelque chose est fait qui rassure un peu plus les populations. Pour mieux assurer la sécurité des citoyens, il est prévu dans le PAG 2 le renforcement de l'effectif de la police républicaine, la création d'une police municipale et la mise à disposition d'importants moyens. Pour créer 546 commissariats, les faire fonctionner, il faut recruter beaucoup de policiers. Et à cela s'ajoutent les contraintes liées aux incursions des groupes terroristes. Alors, ce que le gouvernement a fait, c'est que le gouvernement s'est engagé dans un processus de recrutement. En 2019, le gouvernement a recruté 600 élèves agents de police. En 2020, il a recruté 500 et en 2022, le gouvernement a recruté 2000. Et il en sera ainsi jusqu'en 2025. Donc, nous avons déjà enclenché la procédure de recrutement de 2000 pour le compte de 2023. Nous ferons autant en 2024, 2025 et nous pensons que en 2026, cela pourra se poursuivre parce que le personnel, nous en avons vraiment besoin pour rendre opérationnels tous nos commissariats et pour faire face aux incursions que nous enregistrons au niveau de nos frontières. Le gouvernement a fait beaucoup d'efforts depuis l'opérationnalisation de la police républicaine en 2018. L'état dans lequel on était avant 2018 était quand même plus ou moins déplorable. Mais aujourd'hui, on a des moyens qui nous permettent de faire le travail. De toute façon, l'État fait déjà un effort. Vous allez constater quand même un renforcement de nos moyens de mobilité, de nos moyens de projection pour mieux renforcer nos équipements afin de nous permettre de faire correctement le travail qui nous est assigné. Donc, en ce qui concerne les moyens, ils sont de tous ordres. Par rapport aux moyens, il faut dire que le gouvernement est en train de faire des efforts considérables. D'abord, dans le cadre de l'opérationnalisation, il faut faire fonctionner les unités territoriales, donc les différents commissariats. Et au niveau de ces unités territoriales, le gouvernement met suffisamment de ressources pour le fonctionnement des unités. En dehors de cela, le gouvernement met à disposition des moyens de mobilité, à savoir les moyens à 4 roues, à 2 roues. Cette année, le gouvernement a mis à la disposition de la police 40 véhicules Land Cruiser. De 2022 à ce jour, le gouvernement a mis à la disposition de la police près de 200 engins à 2 roues. Le gouvernement avait déjà, dans les années antérieures, mis à disposition près de 55 engins à 4 roues. Donc, ce sont des moyens que le gouvernement met à la disposition de la police pour qu'elle puisse vraiment jouer son rôle. Il y a des tâches qui sont aujourd'hui accomplies par la police républicaine qui pourraient être accomplies par la police municipale. Et cela nous permet de dégager ces agents de la police républicaine pour d'autres missions. Par exemple, lorsque nous prenons la régulation de la circulation dans les villes, la lutte contre les nuisances sonores, l'hygiène publique, pour assurer la sécurité et la tranquillité dans les espaces publics, dans les marchés, dans les lieux de regroupement. Aujourd'hui, c'est la police républicaine qui accomplit ces missions-là. Si la police municipale existait, c'est à elle d'accomplir ces missions-là. Et cela nous permet d'avoir des effectifs à dédier à d'autres missions. Puisque aujourd'hui, nous sommes dans le besoin d'agents de police. Déjà, dans l'opérationnalisation de la police républicaine, mais aussi pour faire face aux incursions que nous enregistrons au niveau de nos frontières. Le gouvernement envisage recruter 1000 policiers, 1000 élèves agents de police qui seront mis à la disposition de ces communes. Et le nombre sera variable en fonction du poids démographique de chaque commune. Donc les communes,
c'est d'abord Cotonou, Abomey-Calavi, et Port-Novo, Parakou, Ouida, ainsi de suite. La procédure est déjà enclenchée. Je crois que la concrétisation se fera d'ici là, puisque nous avons déjà tout fait au plan administratif. Il ne reste qu'à aller à l'opérationnalisation. La sécurité intérieure est tributaire de la sécurité des frontières. Ainsi, le gouvernement béninois a décidé d'améliorer sa politique de gestion de nos frontières. D'importants investissements sont prévus dans le PAG2 avec le soutien des partenaires. Le gouvernement béninois a lancé donc une politique nationale de développement des espaces frontaliers qui a 4 axes stratégiques. Premièrement, c'est sécuriser les espaces frontaliers. Quand on parle de sécuriser les espaces frontaliers, c'est apporter la sécurité aux populations vivant dans ces espaces-là. Deuxièmement, c'est de réduire la pauvreté et améliorer les conditions de vie des populations qui sont dans les espaces frontaliers. Et troisièmement, au-delà du Bénin, développer la coopération transfrontalière pour que, en développant seulement notre côté, qu'il n'y ait pas de basculement de population. Deuxièmement, permettre à nos compatriotes qui sont de l'autre côté de pouvoir parler avec leurs frères qui sont de l'autre côté aussi de la frontière. Voilà ce que le gouvernement nous a demandé. Notre 4e axe stratégique, c'est le financement. Comment maintenir ce financement-là? Ajouté à tout ceci, il y a un vaste programme d'installation d'infrastructures socio-communautaires dans les zones frontalières. Une action du gouvernement qui est non seulement sociale, mais surtout sécuritaire. Pour les infrastructures, le gouvernement a initié un grand projet de construction de près de 155 commissariats. Le projet suit son cours, est actuellement suivi par le ministère du cadre de vie, des transports et en charge du développement durable. Le projet est au niveau de ce ministère et nous pensons qu'il va évoluer et connaîtra un aboutissement heureux. Mais en dehors de ce projet, de 2022 à ce jour, 3 commissariats ont déjà été construits et seront d'ici là mis en fonction. Il y a aussi 12 commissariats qui seront construits dans les jours à venir. Et tous ces commissariats sont construits aujourd'hui par ABGF, qui est l'agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers. Le gouvernement a sollicité beaucoup de partenaires pour intervenir dans ces mêmes secteurs. C'est le cas, par exemple, du programme que nous développons, qu'on appelle le programme cohésion sociale dans le nord des pays du Golfe de Guinée. Et ce programme a pour objectif de développer les zones aujourd'hui qui sont en contact avec la menace, dont les 4 départements du Nord sont pris en compte, mais prioritairement les 2 départements les plus au Nord, la Takora et la Liborée. Et à ce niveau, c'est un programme de 90 millions de dollars, dont 15 millions sont consacrés essentiellement à la construction d'infrastructures. Et d'ici le mois de juillet, les constructions vont commencer parce que la démarche choisie pour ce projet, c'est le développement conduit par les communautés. Donc, tout va être choisi par les communautés avant de lancer la construction. Il y a une activité particulière qui n'apporte pas de bien-être, mais qui permet de prévenir les crises. C'est la délimitation, la démarcation de nos frontières. Les frontières ont été traitées depuis 2013 pour le Togo et 2006 pour le Nigeria. En temps, les villes ont été créées, ont grandi, et ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut réaffirmer ces frontières-là. Et avec le Togo, nous avons réaffirmé les frontières avec le Togo en mettant des bornes d'une tonne et demie visibles sur toute la frontière. Nous sommes à 241 bornes qui sont en train d'être construites aujourd'hui. Ça permet à des villages qui autrefois se disaient au Bénin ou se disaient au Togo, au Nigeria, de savoir là où ils se trouvent. Donc ça permet de régler les crises que nous avons avec nos pays et voisins. La cybercriminalité est devenue un véritable problème pour le Bénin. Notre économie, notre système financier et notre image à l'international en prennent un coup. Ayant pris la mesure de la situation, le gouvernement a lancé une lutte implacable contre ce phénomène. La police républicaine, à travers l'Office central de la répression de la cybercriminalité, OCRC, est en train de mettre fin à ce fléau. Et quand vous voyez dans le monde actuel
et particulièrement chez nous, la question de la cybercriminalité est une question qui compromet le développement. Et pour que les programmes mis en place pour le développement de notre pays puissent connaître leur effet recherché, il est de bon ton que la sécurité des personnes et des biens soit une priorité, et c'est ce que nous sommes en train de faire. À ce jour, je pense que le travail qui est abattu est visible sur le terrain et les chiffres le démontrent. Je prends le 2022 et cette année 2023. En 2022, nous avons pu interpeller 728, dont 24 femmes. Et pour les préjudices qui sont causés en 2022, nous avons 663 554 265 francs CFA. Et il faut aussi dire que lors des opérations, nous arrivons à faire des saisies d'espèces. Et en 2022, nous avons pu saisir 29 577 303 francs. Et en termes de motos saisies, nous avons saisi 45 motos et 52 véhicules. Cette année 2023, de janvier à 31 mai, nous avons déjà interpellé 623, dont 39 femmes. Et en termes de préjudice, ça s'élève à 741 389 750 francs pour déjà le temps que nous sommes en train de faire en 2023. Et numéraire saisi, ça s'élève à 89 697 025 francs CFA. Nous avons pu mettre la main sur 57 motos et 34 véhicules. Je crois que notre réforme de la police républicaine est venue à point nommé. Parce que lorsque nous considérons le terrorisme qui nous impose une guerre asymétrique où vous n'avez pas l'ennemi en face, où l'ennemi peut être votre propre frère qui entre-temps s'est radicalisé, si vous n'avez pas la collaboration de la population, la complicité de la population, vous ne pouvez pas être efficace. C'est en cela que nous voulons que la population participe, que la population collabore, que la population comprenne que sa participation est indispensable pour réussir la mission. Pour inciter la population à s'inscrire dans la dynamique, nous organisons des séances d'information et de sensibilisation en direction des leaders d'opinion, en direction des élus locaux et en direction de la population en général. Nous venons de finir une séance avec le ministère de l'Intérieur qui a mobilisé autour de nous et du conseil communal les représentants de toutes les couches organisées de la commune. Et il s'agissait essentiellement d'une sensibilisation sur l'extrémisme violent dans le pays. Et je crois que cette mission est venue à point nommé. Elle n'est pas la première, nous en avons eu beaucoup d'autres. J'ai d'abord félicité ou remercié la délégation qui est arrivée. Et quand on parle de sécurité, surtout à l'heure où nous sommes actuellement, j'ai eu à leur dire, effectivement, on parle d'intégration de la population, que la population puisse aider les forces de sécurité. Et ils sont venus à nous pour nous porter la nouvelle selon laquelle nous ne sommes pas du tout abandonnés en matière de sécurité. Ils sont venus nous rassurer qu'ils sont là. Mais en même temps qu'ils disent qu'ils sont là, nous aussi, nous avons notre part à jouer. Ils nous demandent de leur fournir des informations pour qu'ils puissent jouer le rôle qu'il faut en matière de sécurité dans la commune où nous sommes. Nous avons déjà des résultats concrets. Nous avons réussi à gérer beaucoup de situations grâce à la collaboration de la population. Et je veux que la population reste dans la dynamique, sinon renforce sa position pour que la collaboration soit plus forte. Et mon mot doit aller aussi aux agents de la police. Parce qu'ils doivent continuer par adopter un comportement qui incite la population à collaborer. Je veux aussi m'adresser à nos partenaires qui nous soutiennent dans l'opérationnalisation de la police républicaine. Je veux les remercier et leur demander de continuer par nous soutenir
parce que nous voulons maintenir le cap.